l'autre, Ilan m'a quand même fait passer pour a essayé de me faire passer pour un menteur, pour un mort de buzz sur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui réagit suite au dire de Ilan après l'histoire du moment qui le touche. En effet, lors de son invitation sur le célèbre plateau de TPMP pour avoir la version des faits du candidat, Ilan en a profité pour tacler le blogueur Nabil El Moudni. Il a en effet passé Nabil pour un mort de buzz, autrement dit une personne qui ne recherche qu'à briller à travers les histoires des autres. Il a notamment confié lors de son audience que pour Nabil, être invité sur le plateau de TPMP était un rêve pour lui. Des propos que le blogueur n'a pas du tout cautionné et promet une fin de carrière pour Ilan. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater les prochaines vidéos. Relatim, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Depuis tout à l'heure, on m'envoie vos commentaires en dessous de la vidéo. On m'envoie également des articles qui sont sortis juste après. Et ça me fait très, 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 très plaisir. Déjà, je voulais remercier Blasting News. Il me semble que c'est Soleil Gossip qui gère ce média. Et j'ai vu l'article qu'ils ont fait sur moi et ça me touche énormément. Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça a été, et c'est pas pour faire le mec, 30 fois plus dur pour moi que pour n'importe qui. Tout simplement parce que vous n'avez pas idée des bâtons qu'on m'a mis, des bâtons dans les roues qu'on m'a mis. Bon, je pense que vous le voyez avec Snapchat, je n'arrive pas à garder un Snapchat plus de 30 jours. Donc pour avoir derrière des productions et des gens qui prennent le risque d'investir sur moi en me disant ça va marcher, on peut réussir alors que je n'ai plus de réseau, c'est très très chaud. J'ai dû me battre 10 fois plus qu'un influenceur lambda. Après, attention, je me plains de rien du tout. Au contraire, je suis un bosseur. J'aime aller là où les gens m'attendent pas. J'aime me surpasser et faire toujours plus. Et voilà, d'ailleurs, je peux vous assurer que pour ma troisième émission, je vais mettre la barre encore plus haute et je vais essayer de me surpasser et de vous faire kiffer bien plus que pour les deux premières émissions. Donc voilà, c'est le challenge que je me suis mis en tête. Et au vu du sujet que j'ai à traiter, puisque l'autre, Ilan m'a quand même fait passer pour a essayé de me faire passer pour un menteur, pour un mort de buzz sur TPMP. Alors croyez-moi que la prochaine émission, je lui mets un fin de carrière. Un fin de carrière.